bouquin, Léon. Big Spike. Oh, Cormac. Oh, il a gagné Colt avec Cormac. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour une vidéo Brawl Stars, le pack opening du samedi, en compagnie des abonnés. Pour participer, vous avez le mail en description de vidéo, bfapack@gmail.com, c'est ce qu'il faut utiliser pour envoyer ces merveilles d'insolence, ces merveilles de flop, ces merveilles de tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a de l'émotion dans vos pack opening et c'est ce qu'on aime. On est parti tout de suite avec des petites boîtes qui s'enchaînent comme ça. J'aime aussi quand vous dépensez, s'il y en a qui veulent dépenser, bien sûr, c'est bien, enregistrez vos petites dépenses comme ça. Oh, et on commence avec un Star Power sur Nita, plus vite le délai entre ses coups est réduit. Ah oui, c'est le deuxième, donc c'est le nouveau Star Power qui permet d'infliger des coups deux fois plus rapidement avec son ours. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. L'autre il régène, donc c'est fort, mais celui-là aussi, en vrai, j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien, surtout pour les modes zombies, on se marre bien quand il met deux fois plus de tatane dans la tête de chacun. Ok, ça enchaîne avec des points de pouvoir de Spike. Monsieur a Spike, monsieur se fait plaisir, il a poli, il a chili, tout ça, ça va encore, et ça s'arrêtera. Uniquement sur ce Star Power. On enchaîne avec quelqu'un d'autre qui envoie aussi des petites boîtes. C'est du pack opening gratuit, des familles. Ok, Xneon X, je sais pas, Néon je pense, avec deux X autour pour faire joli. Voilà, la petite décoration, le boule, la Penny. On enchaîne avec les 19 or, on s'en bat, on continue. Enchaînement, les petites boîtes, les objets restants, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de coin doubleur. Il y a les 70 or ici qui n'est pas dégueulasse. On enchaîne encore, petite boîte, 17, Rosa, Karl, un ticket pour aller faire la fête. On continue. C'est la merguez partie avec 23 or ici, Tara, Karl, 2 tickets, ça fait 3 maintenant. On continue, on enchaîne, 15 or Penny, Shelly. Ok, c'est là du mal, on a du mal. Hein, sur cet épisode, là, c'est un peu plus. Là, le démarrage est un peu plus longué, j'ai l'impression. Ok, on enchaîne avec El Costo, Poco. Et purée, c'est un flop ou quoi là? Pam, bah ouais, on est parti sur un truc pas terrible. Hein. Oh, pas terrible avec Spike! Pardon, là, le petit cœur, il a. Je m'attendais tellement à un flop sur celui-là. Là, je me suis dit, purée, il enchaîne, il n'y a rien, vite le prochain, parce que celui-là, il nous a endormi l'affaire, mais pas du tout. La remontada, les amis, la remontada. Tada dans ces boîtes là, ça envoyait du lourd. Il était pas insolent, il était plutôt le somnolent celui-là. Voilà, et hop, et à la fin il nous met la pichenette qui fait plaisir. Ah, et bien sûr comme d'habitude, vous me dites en commentaire toutes les cartes débloquées. Je mets le petit cœur sur celui qui va bien. On fait la petite game sur Discord ensemble parce que c'est un cadeau et ça fait plaisir. On continue. Boule et Karl. Enchaînement ici avec Léon. Ok, concentré. 35 petites boîtes. Va-t-il les mettre les 35 assez vite? Oh, petit Star Power encore. Slick Boots. Mouvement de speed increase by 8%. Non, c'est pas le plus sympa. Oh, Cormac! Oh, il a gagné Colt avec Cormac derrière! Oh, je pouvais pas finir ma phrase. J'allais discuter un petit peu sur le Star Power de Colt en disant que le nouveau était plus sympathique encore. Mais là derrière, il y a Cormac qui débarque. Oh là 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 là! Choquant! Dans la même boîte? Non. C'était pas la même boîte? J'ai cru que c'était la même boîte tellement que ça a été vite là. Ça a été deux boîtes back to back alors. Oh là là! GG ça! Purée! Alors du coup, les 32 boîtes, bah non, j'ai l'impression qu'on va pas toutes les voir parce que là, je vois qu'il reste pas beaucoup de timing. Donc je pense qu'il va. Ça va cuter, je sais pas. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ok, on continue. Le Spike Hune qui est présent avec Mortis. Donc du coup, là, ouais, il a toutes les légendaires le mec. Attends, il a toutes les légendaires, il a combien de trophées? À 10 000, on va pas commencer à dire ouais c'est scandaleux, non, 10 000, tu les as mérités, t'as toutes tes légendaires, ça se trouve il a depuis la bêta, il a jamais eu toutes ses légendaires, il a crevé pour les avoir, c'est mérité, ça fait plaisir. Ok, on est avec un mec à 3000 de santé, hein. Et lui, va-t-il être Chanceux Man ou pas? Il y a un bruit pourri derrière là qui me saoule, ça m'empêche de me concentrer dans ce pack opening, je sais pas si vous l'entendez, j'espère que non, si vous l'entendez je suis désolé. Voilà, c'est les joies du truc, en même temps j'ai mis la clim pour que, vous savez là, tout ça, machin. Et fermer la fenêtre là, je vais crever. C'est moi qui termine pas la vidéo après. Ok, on continue. Oh, petite Penny. Ok, la petite Penny qui se met bien. 3 sur 4 au niveau. Ah oui, 3 sur 4 seulement. Ah oui, toi t'es vraiment en retard, d'accord. Ou t'es vraiment dans le timing de que tu as commencé le jeu il y a pas longtemps. Peut-être tout simplement. Ok, Shelly, El Costo, les deux tickets pour faire la fête. Encore une fois, on enchaîne. Petite latence qui veut rien dire ou qui veut dire. Elle voudra rien dire cette fois-ci. 3 gemmes, c'est cadeau pour acheter des skins. On enchaîne ici. Poco Bartaba. Ils sont toujours dans la partie. Poco Serenade, Magnifico. Un de mes plus beaux skins.
En fait, j'ai pris goût au début, je disais que j'étais ouais, mais en fait, il est très beau. Rosa, ok, bah ouais, alors d'accord, il y a Rosa, Penny, ouais, toi t'es sur la base, toi t'es sur les fondamentaux de Brawl Stars, tu veux pas nous sortir la légendaire, tu veux vous dire, attendez, moi je me pose, j'ai 3000 TR, je viens de commencer le jeu depuis le début de la semaine, on se met yimbe avec les fondamentaux, ok, et un peu de gemme et un peu de ticket pour aller faire du robot à gogo, pour histoire d'avoir plein de boîtes à ouvrir, parce que pensez les amis, hein, à tout péter dans le robot à gogo, vos tickets là, avec des gens bien, faites une bonne team, avec une Pam, avec une Jessie, avec un mec qui tape, et puis vous faites mastiquer des 640, comme ça, clac, clac, vous claquez les 20, vous faites comme ça, je sais pas, 18-20 boîtes direct, vous les claquez, comme ça, pour des broucards Léon. Oh là 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 là, oh là là, encore une fois, toutes les légendaires sont là, ça fait plaisir, et plutôt deux fois qu'une même, j'ai envie de vous dire, hein. Faudra me dire, hein. Parce qu'en commentaire, il ne s'agit pas de me dire, il y a eu Léon, il y a eu machin, il faudra me dire combien de Léon, combien de Spike, combien de bidule, combien de machin, hein. Ouh là là, par contre, on n'a pas fait de mythique, je ne vais pas dire, mais on va pas critiquer, on va pas se plaindre, hein. Quand on a plus de légendaires que de mythique, c'est qu'en général, tout va à yimbe. On enchaîne avec la petite liste de courses. La petite liste de courses, et vous voyez, c'est ça, c'est pour voir. Bon, on voit ce qu'il a, on voit où il a évolué. D'accord, ce qui nous intéresse, c'est en bas de la liste. Eh ben, on le verra pas. Voilà. Donc, ça, c'est foiré, par exemple, parce qu'il fallait qu'on voit en bas ce qu'il y avait comme personnage pour savoir ce qui lui manque. Maintenant, du coup, s'il faut faire la soustraction nous-mêmes, on va galérer là. Ok. Donc, ce qu'on n'a pas vu, logiquement, c'est ce qui lui manque. Ok, récupérer méga boîte. Ça, c'est bien. Avec un 6. Le 6, souvent, bah, forcément un personnage ou alors un Star Power, mais bon. On va miser sur le personnage, ça serait plus sympathique. À moins qu'il ait plein de trucs. Ok, pouvoir. Point de pouvoir, pardon, j'ai un pouvoir star. Non, on n'est pas sur le Star Power. C'est. Ok, car. Beau. 70 beaux. Ouh, ça fait beaucoup. Et c'est le Jean. Ah, bah voilà, on parlait de mythique. Et ben voilà, première mythique de la vidéo. Voilà, je vous donne un petit indice. Première mythique de la vidéo, le petit Jean qui tombe, qui fait plaisir. Voilà, BG, très bon personnage, voilà, franchement cool, bonne mécanique, bon design, bon, un personnage réussi, hein, voilà, faut le dire. Voilà, pas comme Tic, pas comme Tic, qui... Non, enfin, Tic aussi, c'est bien, mais c'est vrai que, voilà, je l'apprécie moins depuis que je le joue, mais je l'apprécie beaucoup avant qu'il sorte, mais depuis qu'il est sorti, je l'apprécie moins. Ok, Karl, Tic, on continue, bon, attends, Tic, il a 4000 TR, donc on balèque, quoi, ok, Ricochet, Bartaba. Ok, la boîte d'une vie peut-être. Attendez, encore des boîtes en haut, je pense. J'ai la boîte d'une vie, mais j'ai vu des boîtes en haut. Normalement, logiquement, il y a des choses. Ok, donc là, on a tout pété ce qu'il y a en bas. Tu nous montres le haut, s'il te plaît. Ok, récupérer des points de pouvoir. Qui va mettre sur qui? Bah, sur ce qu'il y a de plus faible ou ce qu'il y a de plus beau. Non, sur... Il a pas... Attends, c'est pas lui qui a récupéré... Le jean, il est pas là? Ah, je confonds, alors c'est celui d'avant. Ah ouais, il n'y a pas de jean, lui. D'accord, bah, je sais pas, hein, fais top. Et bah, sinon, tu les gardes. Ah non, t'es obligé si tu veux débloquer la boîte d'après. Dynamite qui prend sa dose. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, il pouvait peut-être pas récupérer la méga boîte. Il y a l'ordre chronologique des choses à respecter, c'est dommage. Ok, le 666 qui fait plaisir. On sait qu'on se sent bien, déjà, quand on voit le 6 apparaître. Le petit Franck qui prend plus 11, le beau, plus 20, enchaînement ici, pour... Un bar tabac qui prend son plus 30, qui est loin, qui s'échappe au niveau des points de pouvoir, avec Jesse qui elle aussi est assez loin. Il lui faut de l'or pour en mettre ça. Ouh, 84 sur Colt, il va nous maxer Colt. Et c'est un Star Power Balcourt pour Spike, c'est GG, c'est son nouveau Star Power. Je préfère l'ancien, j'ai testé les deux, je préfère le premier. Voilà. J'ai pas vu le cas de figure où le deuxième était plus sympathique, mais dites-moi en commentaire. Voilà. Si vous utilisez le deuxième. Pour ceux qui l'ont, et une petite Pam. Ok, petite Pam. C'était sa boîte, c'était la boîte d'une vie, c'est ça? Le mec, il a tenté les poker. J'ouvre une boîte, c'est Pam. Donc, c'est pas de l'insolence, hein, les copains. C'est pas insolent d'ouvrir une boîte et d'avoir Pam. Sinon, tout le monde serait insolent parce qu'on a tous ouvert un jour une petite boîte simplement comme ça, sans rien d'autre. Et puis, on a eu un personnage, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est un personnage épique, c'est mignon. Maintenant, quand ça sera la légendaire, on vibrera. Ok, là, il lui manquait 3 légendaires. Donc, autrement dit, là, lui, il est pas là pour niaiser. C'est soit tu m'envoies de la légendaire, soit j'en veux, soit je veux rien, ou alors peut-être des Star Power, je ne sais pas. J'ai pas vu. On n'a pas vu la liste de courses, il y avait des Star Power. Je pense que non, sinon on aurait peut-être montré, quoi, logiquement. Toute logique de logique. Ok, enchaînement, sait-on jamais. Au niveau upgrade de chaque carte, tout est upgradable. Alors, enfin, laissez-moi voir combien il a de thunes. Bah, pas beaucoup, j'ai l'impression. Au niveau or, il a l'air un peu à sec, 760. 10 avec Spike. Il arrive à sortir le Spike. Il lui manquait 3 légendaires. Il en sort une, c'est beau. Je suis content pour lui. Je suis ému pour lui. Il doit être content devant son écran en train de regarder ça. Il se dit cool, purée, je galère à les avoir. C'est légendaire. Il en a enfin une. Ouh, que ça fait plaisir. Et pas n'importe laquelle, hein, parce que vous savez, hein, moi, c'est Spike et moi, c'est la grosse émotion. Limite, il y aurait un personnage dans le jeu, je voudrais que ce soit que lui, et je le jouerais, bah, je le jouerais, de toute façon, voilà, j'adore le jouer. Mais bon, bah, comme le jeu est fait avec un rush de trophée, faut toucher un petit peu à tout, bah, je touche un peu à tout, mais franchement, Spike,
on s'en lasse pas. Hein. C'est celui que j'adore jouer. D'ailleurs, Spike et Nita, j'ai l'impression que c'est mes deux préférés. Voilà, je pense que Nita en deuxième position. Pourtant, Nita, vous voyez, c'est pas quelque chose de dur à récupérer, mais pourtant, Nita, pour moi, c'est mon deuxième personnage préféré, juste après Spike. Pas beaucoup loin derrière. Une Nita, si vous mettez un... Oh, il y a un 6, on va se concentrer. Sur ce 6, un petit peu au ralenti, genre pour peut-être faire monter un petit peu l'émotion, avec des plus 50, plus 50 pour arriver à un star power de Tara, l'ombre réparatrice. Il paraît que c'est ouf ça, je l'ai pas celui-là. Ouais, elle soigne Tara, c'est quoi il pique ? Ouais, je l'ai pas celui-là, je l'ai pas, il paraît qu'il est super bien. Alors je sais pas, voilà, en tout cas ça se termine comme ça les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si star power vous l'avez, s'il est bien, s'il est chaud, tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.